Allez, bonjour à toutes et à tous, ici Zenandron pour le quatrième, c'est bien ça, épisode de mon Let's Play sur le jeu sport. Allez, on y retourne. Donc, nous venions d'arriver en phase tribu. Ils s'en font du bruit. Je sais pas si c'est pas un peu trop fort, d'ailleurs, je vais juste baisser le son 2 secondes. Voilà, je pense que ça ira mieux. Donc, nous sommes en phase tribu où le gameplay change radicalement, c'est-à-dire que nous sommes passés d'un gameplay... Arrêtez de gueuler. Voilà. Nous sommes passés d'un gameplay où on joue qu'une seule personne à un style stratégie godlike. Voilà, donc c'est un peu différent. Donc je vais vous montrer déjà l'atelier tribal. Donc en fait, en gros ici, c'est on va gérer notre village. On pourra mettre des bâtiments. Genre là, on a les 10 guéridous et les haches de pierre. Où le coup, là, c'est la nourriture pour la création. Mais on a aussi moyen d'éditer quand même nos villageois. De remettre une tenue tribale, ça aide beaucoup même. Par exemple, on peut mettre cueillette et combat, un truc qui améliore le cueillette et combat. On voit, ça augmente, pareil. Par contre, on peut plus du tout éditer notre créature comme avant, même si on peut quand même l'éditer en couleur. Bah, en fait, il se met de la teinture, c'est tout. Donc, on peut mettre des trucs comme ça. On a une limite, hein, une limite de d'habillage. C'était pas de mieux ce que j'ai mis. Alors. État 2, cueillette sociale. Cueillette niveau 3, social niveau 3. Oh oui, t'échoues avec ta toque. Hop. On va mettre un truc pour le combat. Ça peut aider aussi. Au cas où. Bon, c'est un peu moche. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est vachement moche les trucs tribaux, je trouve. Donc ça c'est cueillette 3, ok. Combat niveau 1, je m'en fiche. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour augmenter l'état? Histoire d'être un peu mieux protégé. C'est pas le meilleur endroit où le mettre, mais bon. Alors après ça change rien, c'est des petits trucs de custom. Pas forcément mon but. Je vais mettre des trucs en social. Alors, social. Il y avait un truc en social, je crois. Social de niveau 3. Bon, c'est un chapeau, mais... Je sais où on va le mettre. Oh oui. Oh c'est beau. Hop, un petit chapeau. Voilà, villageois Spia. Y a pas moyen d'étudier le nom. Non. Bon bah, c'est pas grave. Voilà, donc les caractéristiques ont été augmentées. On en découvre en s'alliant à d'autres. Enfin, on découvre de nouveaux éléments en s'alliant à d'autres tribus comme en détruisant d'autres tribus. Mais voilà. Alors, ajouter bébé. Donc on va demander des bébés. De toute façon, ça coûte 10 de nourriture. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chasser ou cueillir. Cette fois-ci, on n'a plus de régime herbivore ou carnivore. On s'en fiche. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'eau? Oui, ici, il y a de l'eau. Mais par contre, le poisson, il est vachement loin, c'est ça. Donc il y a du poisson ici. Il y a du poisson ici. Il n'y a rien d'autre. Donc on va, je pense qu'on va cueillir. On va cueillir, c'est ce qu'il y a de plus simple. On peut pas cueillir. Bon, on va chasser alors. Alors, piège et feu d'artifice, ça c'est leurs deux trucs. Donc ils se font rapidement défoncer, hein. Donc là, ils détruisent les autres créatures. Voilà. La dernière. Ah bah tiens. Le dernier est passé. Le nouveau-né est passé à l'âge adulte. Voilà. Et maintenant. Oula. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un bug de son. Bon, c'est mieux. Je sais pas ce qui s'est trop passé là. Donc là, il récolte la nourriture. Il récolte la nourriture. Par contre, toi, qu'est-ce que tu fous? Je t'ai demandé de... Voilà, hop, il ramène de la viande, du poisson. Ah! Donc vous voyez, il y a une nouvelle tribu qui arrive. C'est d'autres créatures. Ils sont passés aussi à la phase tribu. Et là, ça va être à moi de choisir. Est-ce que je les combats ou est-ce que... Ou est-ce que je me rends ami avec eux? C'est le village marron. Alors attendez, mon historique. Je voudrais faire opportuniste, c'est-à-dire des types économistes. Là c'est type militaire et là c'est type religieux.
Donc en gros, faut pas trop que je descende vers agressif. En sachant que plus ça va aller dans le au niveau des tribus, plus on va progresser dans la barre, plus ça va être difficile d'avoir des tribus qui sont de base alliées avec vous. Enfin, ou qui sont neutres. Elles sont toujours plutôt agressives. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors... on va être allié avec eux. Donc là, je vais demander 2 bébés. Allez, histoire d'être un peu plus... Voilà. Alors, donc, ils vont toujours chercher de la nourriture? Oui, c'est bon. Par contre, le truc, c'est que comme on est carnivore, on peut manger que de la nourriture. Que de la nourriture normale. Attendez, je me gratte. Donc, là, il n'y a plus de bouffe. Donc, il va falloir aller en chercher ailleurs. Donc, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est amener des nourritures, de la nourriture ici. Dans ce cas, ce qu'on fait, si je me souviens bien, c'est ceci. Voilà. Et on les domestique. Par contre, ça coûte de la nourriture. Par contre, c'est assez drôle aussi d'aller voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cela. Non. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. Hop, il pose de la nourriture ici. Ça fonctionne ou pas? Ouais, ils sont alliés avec nous. Nous avons domestiqué une créature. Là, c'est assez drôle la musique. Voilà, donc en gros ils l'ont amené ici et ça fait une réserve de nourriture. Donc, on va chercher de la nourriture. Ensuite, il faudra les faire manger parce qu'ils ont quand même une barre de faim. Bon, on n'est pas très efficace au niveau du combat, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Voilà. Ensuite, allez nous chercher de la nourriture. Hop, ils prennent la nourriture sur les cadavres. Tu sais, il repousse. Il est revenu tout seul, le bébé. Voilà, donc ça y est, nous avons beaucoup de nourriture là. Ça devrait aller, je vais pouvoir. Donc instruments, on va commencer par les digeridoo. Hop, on met la tilée de digeridoo, comme ça on pourra les équiper avec des digeridoo. Donc on les équipe avec les digeridoo. Déjà. Donc on voit qu'ils s'équipent, hein, sauf le chef de tribu qui ne peut pas s'équiper. On va les faire manger. Donc là, ils sont contents, hein, je sais pas trop pourquoi, mais ils sont contents. Allez, il mange à tour de rôle. Hop. Il mange. Ça y est, maintenant qu'ils ont tous mangé, on va aller au village marron. Amical. Et on va aller leur parler. J'adore, ils ont tendance à se déplacer en volant. Dès qu'ils ont des ailes, plutôt qu'en marchant. Alors là, c'est pareil, il faut arriver à augmenter la jauge pour atteindre le maximum. Alors, on va savoir ce qu'ils nous demandent. C'est pas bien compliqué, c'est toujours des guéridous quand on a qu'un seul truc, hein. Ça y est. C'était pas bien compliqué, hein. Ah, j'ai des animaux sauvages qui veulent prendre mes vivres. Il va falloir que je revienne vite.
Ça y est. Donc j'ai une tribu qui est maintenant mon allié. Mais il y a surtout trois autres tribus qui viennent de pousser, dont qui sont toutes agressives envers moi. Voilà, donc j'ai débloqué de nouveaux éléments et de nouveaux bâtiments. Et je rajoute un morceau du totem. Voilà, le nage marron est devenu mon allié. Du coup, le village s'agrandit. D'ailleurs, la créature qui veut manger mes vivres. Voilà. Allez, je me replace sur ma chaise, ça va faire un peu de bruit. Je vais reprendre toute ma tribu. Et je vais m'occuper de ce OKB Alpha. Bon alors, les villages par contre, là c'est pas cool du tout. Ils sont contre moi. Bon bah s'il veut pas venir. Ils sont contre moi. Il faudrait d'autres sources de nourriture quand même. Il faudrait vraiment d'autres sources de nourriture plus productives. Les animaux sauvages veulent me prendre mes vivres. Voilà. Et un alpha qui a poussé. Voilà, donc je vais récupérer de la nourriture avant que j'en ai plus du tout à cause de ce satané machin là. Il est en train de me piquer toute ma nourriture là. Voilà, j'en ai plus maintenant, t'es content? Allez, je vais te tuer histoire d'être tranquille. Donc voilà, j'ai plus de nourriture déjà, c'est déjà mieux. Donc. Alors, est-ce qu'il reste des cadavres là-bas? Non, j'ai l'air d'avoir tout pris, j'ai 50. On va demander 3 nouveaux bébés. Hop. Donc, voilà, 3 nouveaux bébés. Qu'est-ce que j'ai gagné comme instrument? Des cornes de bois. Ok. Et j'ai des harpons de pêche aussi. Ça pourra m'aider. Donc, ils sont en train de manger. Va falloir que je récupère à manger encore. Le truc, c'est que d'habitude, je suis au bord de la mer, donc il y a moyen d'aller chercher du poisson juste à côté. Mais là, c'est pas possible. Quoique je vais plutôt attaquer cela. Hop, on les défonce tous. Voilà. Oula, agresseur repéré. Ah bah évidemment c'est la tribu verte. Oui, 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 oui. Il me fonce dessus. Il faut vite qu'ils reviennent tous. Allez, allez. J'ai pas envie de perdre d'autres. Ah, j'ai perdu un membre du village. Ah bah l'animal domestique il vient m'aider. C'est cool ça, je savais pas. Donc là je me défends, il faudra que je mette des pièges aussi.
ça peut aider. Ils ont tué mon animal domestique, ils ont tué un autre membre de ma tribu. Hop. On va demander des bébés. Ça y est. Donc là on est tranquille. On va manger et on va passer à l'attaque tout de suite vu que là ils sont plus que 4. Ils ne sont plus que 4 et donc c'est le bon moment pour attaquer. Je regardais l'historique. Ouais d'accord, on a quand même rebaissé à cause de l'attaque. Allez, vous mangez vite. Il y en a un qui se soigne. Donc vous tous, vous attaquez le village à Nice. Donc là, ils sont pas contents. Et toi, tu vas leur faire un cadeau à ces villages-là. Hop. Je crois que c'est le chef du village seulement qui peut faire un cadeau. À moins que vous ayez cherché du poisson, hop. Donc toi, est-ce que tu peux pas faire un cadeau, mais vraiment, là? J'aurais besoin que tu fasses un cadeau pour que il devienne neutre. Il faut au moins 10 de nourriture. Oh là, je suis en train d'attaquer. Aïe aïe aïe, ils sont en train de revenir. J'ai perdu un membre du village. Je sais pas ce que j'ai fait un feu d'artifice. Ah bah ils sont amis avec moi. Ah bon. Bon bah ok. Hein. Il y a même moyen que je puisse... Bon bah pourquoi pas. Bon, pourquoi pas, hein. Je savais pas du tout que ça marchait comme ça. Bon, bah... D'accord. Bon, bah, si ça marche, pourquoi pas, hein. Donc, ces deux-là, ils sont pas très amis avec moi. Ça va pas être cool. Mais j'ai suffisamment de nourriture maintenant pour leur envoyer un cadeau. Alors, maintenant, vous allez chercher... Qu'est-ce que vous faites? D'accord, la cinématique n'avait pas encore eu lieu, c'est bizarre. Bon, merci, j'ai eu des nouveaux éléments. Et un nouveau morceau de totem. Oui, 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 c'est tout nouveau truc, nouveaux éléments... Nouveau plein. Plein de trucs super sympas. Non, mais je suis venu en copain. Je viens juste donner à bouffer. Ça vous tente? Hésite à tolérer l'existence de la vôtre. Bon. Vous devez dire de mener la meute. Non mais... Je veux juste faire un cadeau. Les animaux sauvages, je le prends de mes vivres. Bon, moi je voudrais juste qu'on ait plus de nourriture. Ah, il pleut. C'est toi l'animal sauvage? Quoi, ça fait déjà 20 minutes? Ouais, bah je vais rester encore un petit peu. Je vais rester encore un petit peu. D'ailleurs,
Casse-toi, l'animal sauvage. Voilà. Donc on va chercher du poisson. Donc la prochaine fois, ce qu'il faudra, c'est qu'on... Alors attendez, je regarde le tableau. Là, on est bien dans les verts. Faudra que je m'allie avec celle-là. Et ensuite, j'arrête pas de taper sur les suivantes. Parce qu'il ne restera plus que deux. Donc les prochaines, faudra que je les attaque. De toute façon. Vous savez quoi, piège? Je demande à mon chef de village. Donc là, j'ai 20. Il faudrait... J'ai quoi? J'ai le dernier instrument. Il me faudrait des haches de pierre. Très efficaces sur les créatures et les villageois. Je prendrai des haches de pierre. Et il me faudra 25 de bouffe. Bon, ok. Alors à la limite, maintenant qu'il y en a quelques-uns qui ont ramené de la nourriture, vous savez quoi? Avant de finir cet épisode, ils vont manger et puis on va aller s'allier avec la tribu rose. Hop, ils posent leur nourriture. Et ils en ont pas mal en plus. Hop. Plus zéro. C'est possible ça, plus zéro? Ah bah oui, plus zéro. Bon. Vous avez mangé? Non, non, oui. Alors, attendez. Je vais demander à tous ceux-là de s'équiper avec des digueridous, hein. Histoire qu'on soit tranquille. Alors je crois que si on n'est pas équipé avec le reste des instruments, c'est pas grave. Il demande juste avec les instruments qu'on a de base. Bon bah allez hop. On y va. Comme ça on passera à l'agrandissement suivant. Donc en fait on aura plus de villageois, on passera à 12 au maximum. La douche, je vous préviens, ça devient un peu plus chaud à gérer. Alors. En espérant ce que je pense est vrai. Eh ben non. Et demandez-moi des digueridous au lieu de demander de... Et... Bon, vous savez quoi? Hop. On va arrêter ça. Arrêter ce massacre. Et on va mettre les huttes qui manquent. 1 et 2. Donc, on va prendre 2. Maracas, on va prendre 2. Non, c'était les maracas là. Et donc là, c'était les cornes de bois. Hop. Un de plus aux guéridoux et un de plus aux cornes de bois. Hop, équivez-vous tranquillement. La tribu rose n'aime pas notre tribu. Il faut au moins 10 de nourriture. Quoi? Ah non, mais ça, c'est du foutage de gueule. Bon, ça veut dire qu'il faut que je m'attaque à une créature, que je récupère suffisamment de nourriture. Ah bah, qu'est-ce que vous me saoulez? Vous avez bien 11 de nourriture, là. Bon. On vient tous avec un cadeau. Comme ça, on leur dira bonjour juste après. J'adore. Bah, j'ai plus qu'un de vivre. Ça sert à rien de me venir me prendre mes vivres, hein, les animaux sauvages. Ça y est. Et donc là, on va pouvoir jouer. Ils sont plus que deux. Ah d'accord, il s'est juste rentré. Il y a ma tribu marron qui fait un don à ma tribu. Ça c'est cool.
Voilà. Et on recommence. Alors, Lady Garrido, ok. Corne de bois. Lady Garrido. Et Maracas. Et Raleigh Magrax. Ça y est, Tribu Rose est mon allié. Donc ils me font des cadeaux, comme vous avez pu le voir, ils font des cadeaux. Youpi, une nouvelle tribu a été fondée et celle-ci est agressive envers moi. Nouveaux éléments. Ça y est. Et un troisième morceau de totem. Et puis je vais vous laisser là, parce que l'épisode a un peu duré. Ah oui, j'ai aussi l'augmentation de la taille de mon village. Oh. Salut, salut. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à venir en discuter avec moi sur Twitter de cet épisode. Et je vais récupérer mon panier. Voilà. Voilà, voilà, et puis à la prochaine, salut à tous !